coucou à tous, c'est vendredi les 9h, j'ouvre ce vlog quasiment au même endroit où je vous ai laissé hier, donc ce qui explique cette tête de fatiguée. J'espère que la journée va être moins éprouvante pour moi, parce que j'ai pas mal de boulot qui m'attend. Voilà. Ce matin, ça va être fromage blanc zéro, des baies de koji pruneaux amandes, et je me fais deux vasas avec du fromage, et bien évidemment mon traditionnel jus de carotte. Et aussi, avant que je monte, voilà pourquoi je cherchais hier un distributeur d'eau. Jack ne boit qu'au robinet. C'est ce concept de petite fontaine d'eau qui coule. Je pense que comme il sort pas, peut-être ce côté un peu naturel, sauvage, d'aller à la source. Je lui mets des gamelles d'eau, bien sûr. Il y va pas. Je pense qu'il y va si vraiment il en peut plus. Mais moi, je peux pas rester toute la journée près du robinet, ouvrir, fermer, quoi. Ça va pas être possible, ça, Jack. Hein. Et des fois, même, sérieux. Eh ben, il s'endort. Là, comme ça. Mais ouais. C'est un nouveau jour, donc nouveau colis. Allez, boulot Caro. Et voilà ce que j'ai reçu ce matin. Donc un partenariat de dingue. Hein. Le Givenchy le dernier, c'est l'interdit. 80 ml. Je vais vous faire une vidéo, une petite pub version Caro. Ça sera peut-être de 20 secondes, 30 secondes. Mais j'ai envie de créer, j'ai envie de faire ça. Et en plus, c'est parce que pour ce parfum, j'ai eu un coup de cœur, une révélation, ce que vous voulez, c'est mon parfum. Transformation. J'ai pris donc mon cachet, le café, j'ai déjeuné. Ça m'a fait du bien, ça va un petit peu. Mais je sens que la migraine n'est pas loin. Tu vois, faudrait pas que je la provoque trop, sinon elle revient très vite. Donc on va y aller tranquille. J'ai décidé d'aller chez l'opticien. Donc je vais chercher des montures. Plus tôt sera fait, plus tôt je vais les recevoir. Je pense que ça doit prendre peut-être une semaine, 10 jours. Donc, vu que c'est de pire en pire, les petites aiguilles, la petite truc dans ma tête, j'y vais. Voilà. Je pense que je vais bien galérer pour trouver, parce que tout ne me va pas. Moi, les grandes, les petites, ça ne me va pas. Sachant que je vais les mettre quand même pas mal de temps, j'aimerais quand même qu'elles soient jolies. Ah ouais. Mon blouson, je l'ai ressorti. Il fait très old school, j'aime bien celui-là. Je l'avais acheté chez Jennifer il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, puisqu'il a fermé le Jennifer dans ma ville. Est-ce qu'on peut voir le dos? Ouais, le dos il est comme ça. Bon allez, salut Jack, et surtout force pas trop, hein. Non, ce serait dommage. Allez, optique 2000, au mois du rêve. Bon, du coup c'est parti là. Bon, ça y est, plutôt pas mal. C'était les deuxièmes paires que j'ai essayées. Et à l'unanimité, on a trouvé très sympa. Vous avez vu, elles sont un petit peu en forme papillon. Je crois que c'est ce qui me va le mieux. Elles sont toutes petites, j'ai un petit visage. C'est un devis, j'ai pas dit oui tout de suite. J'attends, je pense que je vais pas attendre très longtemps parce que j'ai vraiment hâte de changer, sachant qu'il y a 8 jours, 8 jours pour les faire. Voilà. Et elle m'a dit qu'en fait, c'était pas une énorme correction. Donc, c'était pris à temps, c'est bien. Ça va pas changer beaucoup de celle-ci. Hein. Seulement là, ça va être blanc. Et puis légèrement un petit peu plus haut, voilà. J'ai écouté les conseils d'une d'entre vous qui m'a dit qu'il fallait que je mette une coupelle parce qu'en dessous, il n'y avait pas de protection. Et une fois qu'elle arrive en bas, elle crame. Donc, quelqu'un avait eu son petit meuble de brûlé. Donc, tant qu'à faire, on va éviter. Et je continue parce que... non, toujours pas. C'est l'heure de la petite infusion. Et ce soir, j'ai pas mangé beaucoup ce midi parce qu'on est invité à une soirée raclette. Ouais, ça fait longtemps. En même temps, je crois que c'est la première de l'année, ouais. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vous explique. On va dire qu'il y a 15 jours de ça, une attachée de presse, donc Cassandra, m'a contactée après avoir vu un petit peu ce que je présentais sur ma chaîne. Et elle m'a demandé si j'étais intéressée pour découvrir 3 marques en fait qui sont bio. J'avais le choix sur les 3 sites. Donc on a la marque Indème, la marque Florence Nature et la marque Lavera. Alors, j'ai fait vraiment mon petit choix. Comme vous pouvez le constater, le niveau a bien baissé. Alors, par exemple, on a cette lotion micellaire. Vous avez vu comment c'est marqué pour venir nettoyer, démaquiller la peau. On a également, pour parfaire, une fois qu'on a mis l'eau, on a l'eau de génie. Je ne connaissais pas. Donc, on met quelques pulvérisations. De la même marque, donc on m'a envoyé celle-ci. Je ne l'ai pas testée. Baba Cool. C'est en fait...
de l'huile pour venir se détendre, le corps et l'esprit. Voilà, derrière, on nous montre différents mouvements. D'ailleurs, ça serait bien que je le fasse. Et elle m'a envoyé celle-ci en plus, petite éponge Conjac. On a donc le mode d'emploi, c'est un produit qui est cruelty-free et il faut le changer tous les 2-3 mois. Ensuite, on a de la marque Lavera, j'avais déjà entendu parler, donc elle m'a envoyé pas mal de make-up. Ensuite, j'ai testé donc ce fond de teint bio, donc c'est un 2-en-1, c'est-à-dire que ça peut faire un peu correcteur. Il est très épais par contre, donc faut en mettre très très peu. La couleur était un chouille trop foncée pour moi. Pareil pour ce petit cover stick, donc c'est un concealer légèrement trop foncé pour ma carnation. Il y a également tout un choix de rouge à lèvres, donc moi j'ai choisi celui qui se rapproche le plus de mes couleurs, hein, un petit rose tendre. C'est un petit peu bois de rose, super bien. Donc je vous invite vraiment à aller sur ce site, sur les trois sites même. Les ombres à paupières, celle-ci je n'ai pas utilisé parce que c'est moins mes couleurs. Celui-ci par exemple, je l'aime beaucoup, j'utilise en milieu de paupières pour apporter un petit côté irisé, lumineux, vous voyez. J'adore. C'est un peu métallique. On a également un mascara bio qui est très bien, un noir en fait. Ça n'abîme pas les yeux. Et elle m'a mis également une petite base que j'utilise tous les jours, qui est très très bien, qui bah du coup fait le job, c'est-à-dire que le make-up tient super bien. Et ensuite, on a celle-là, j'avais déjà entendu parler, la marque Florence Nature. Ça, j'utilise tous les soirs et ça, j'utilise tous les soirs. On a donc la crème de nuit anti-rides à base de gelée royale d'acide hyaluronique. Je la mets tous les soirs, j'adore. Et le sérum. Ah, moi, j'adore les sérums, mais je suis obligée. Un matin et soir, je mets un sérum. C'est à l'immortel. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et à l'extrait de laminario régénérant et oxygénant. Très bien. Donc, tout type de peau. C'est bio. De toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers les trois marques. Hein. Là, par exemple, on est sur une gamme de prix très, très, très attractive. Belle découverte et encore merci à Cassandra. Je crois pas que ça maille vraiment cette couleur kaki. Hein. Mais bon, lumière pas top. Hein, parce que bah, il est 18h passé et puis j'ai pas allumé, en fait, tout simplement. Comment on fait? Une jolie coiffure. On va attacher comme ça. On va faire comme ça. Tu vois? Oh, ouh. Je suis pas convaincue que c'est ça. C'est quoi cette coiffure? C'est le truc improbable, hein? En fait, j'ai pas de lumière. Je vous avais montré ma chambre, elle est en deux parties. Là, on a la partie coiffeuse avec derrière mon vélo elliptique, tout ça. Et là, c'est ma chambre. Non, non. Mais il n'y a pas d'éclairage derrière. Il y a une petite lampe, mais... Je vais allumer, je vais voir. C'est mieux? C'est pourri. T'aimes bien? Je vais me poudrer un peu de rouge à lèvres. Non, je vais d'abord mettre un peu d'anti-cerne. Magnifique. Voilà. Un peu lent. Les sillons, nasogénien, lent. Maquillage du soir. Bonsoir. C'est d'une discrétion. C'est beau, j'adore. On estampe avec le blender, enfin moi pour ma part. Elles sont encore là, hein, mais bon. Tu vois, hop. Voilà ce que ça donne. Je suis devant ma fenêtre de la chambre, là. Là, c'est là où je vais me maquiller. Je monte, je me baisse. La coiffure. Voilà, hein, c'est une petite raclette partie. Le make-up, plutôt mignonnette. Et le pull, c'est pas un pull de dingo, mais... On est rentré de la soirée, c'était très sympa. Oh, j'ai encore le ventre énorme. On s'est régalé. Vraiment, c'est la première raclette de la saison. J'avais oublié comme c'était bon. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Salut!